Bonjour à tous et à toutes, et nous voici donc pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle pensée en série, pour cette nouvelle PHS, comme il aime les appeler, qui sera consacrée en fait à la question pourquoi n'y a-t-il pas de cours de cinéma au collège ou au lycée? Et pourquoi je pose cette question d'abord? Pourquoi d'abord y aurait-il des cours de cinéma? Pourquoi? Ben, en fait, au collège, avec l'histoire des arts, etc., on veut nous montrer une matière, que plusieurs matières plutôt, pourraient être groupées dans un seul et même domaine. Et là, on regroupe trois matières avec l'histoire des arts, mais avec le cinéma, on peut en regrouper bien, bien plus. On peut donc regrouper donc, le français pour tout ce qui est scénario, on peut regrouper l'histoire pour tout ce qui est l'histoire du cinéma. On peut regrouper l'art plastique pour tout ce qui est la photo, etc. Les lumières, etc. On peut mettre la musique parce qu'il y a des musiques et des sons. On peut mettre la technologie parce qu'on peut voir comment est fait un appareil, que ce soit un micro, un appareil photo, un caméscope ou autre. Ensuite, il y a le sport aussi, avec tout ce qui est cascade, par exemple. Il y a aussi, bon après il y a les langues, hein, tout ce qui est langue avec tout ce qui est traduction, etc. Et ensuite, je suis sûr que, ah oui, par exemple, éducation civique pour tout ce qui est loi, législation, par exemple au droit de l'image, au droit de tournage, etc. Enfin, il y a plein de trucs, je crois que j'en ai compté 8. Il y a plein de, ça regroupe plein de domaines et plein de matières. Et c'est vraiment, ça serait vraiment génial. Et ça intéresserait beaucoup plus les gens que, apprendre que, par exemple, cette œuvre-là, peinte par un mec qui est mort il y a plusieurs siècles, a été inscrit dans un domaine de, dans un contexte géopolitiquement machin bidule, etc. Voilà. Alors que là, et puis cinéma, qui est-ce qui n'aimerait pas regarder des films en cours? Tout le monde aime regarder des films en cours, les analyser, etc. Enfin, peut-être pas que tout le monde aime analyser les films, mais ça intéresserait quand même beaucoup plus un film, analyser un film, qu'analyser une œuvre en tableau, quoi. Et donc, pourquoi n'y en a-t-il pas? Ben, c'est sans doute parce que l'éducation nationale trouve que ce n'est pas un domaine assez bien, que ce n'est pas de l'art, alors que si, c'est de l'art, c'est le 7e art, faut le rappeler. Ça ne doit pas être grand intérêt, que ça doit être pour tout ce qui est regarder des films, ça ne doit pas être pour eux quelque chose de génial, enfin de... Je sais pas exactement pourquoi ils veulent pas, mais voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!